Bien le bonjour à vous, la famille. J'espère que vous allez bien. Connectez-vous et partagez le direct. Connectez-vous et partagez le direct. Je voudrais que chacun d'entre vous ait le courage de prendre la parole et parler un peu parce que c'est pas quelque chose qui est tombé dans mon œil là. Partagez le direct. Comme ça, les personnes les plus courageuses, j'ai des questions à vous poser. Chacun aura son mot à dire. Parce qu'il faut toujours qu'on touche là d'où ça dérange pour voir sortir les gens du trou. Comme je vous ai dit, chaque fois, il faut que la fumée, pour que le rat puisse sortir, sinon il ne va pas sortir. Bien le bonjour à toi, Cyril. J'espère que vous allez bien. Donc partager pour que les gens puissent intervenir. Je veux que les gens interviennent. Même 10 personnes au moins. Bien le bonsoir à toi, Tracy. J'espère que vous allez bien. Je pense que j'ai un petit retard, mais c'est pas grave. Voilà, ne vous inquiétez pas, si vous écoutez les bruits, il y a des gens qui se marient à côté. Il y a des gens qui se marient à côté. J'attends tout le mariage de Dieu. Comme disait le grand-père, même si les femmes étaient trop bonnes, pourquoi Dieu n'en possède pas un? C'est très dangereux. Pardon, les femmes, ne me tapez pas. Partagez le direct. Partagez le direct pour qu'on puisse avancer le plus rapidement possible. Voilà, moi je cherche à partager, mais ça ne. Comment on appelle ça? C'est pas, ça me laisse pas partager. Oh mec, je peux pas partager. Je ne peux pas partager durant. Et moi.
Voilà. Donc pour ceux qui peuvent partager, je mets une petite musique et là on commence. J'ai envie que la ligne soit où? L'antenne soit libre pour que les gens puissent intervenir. Regardez le titre du direct. J'ai demandé pourquoi les gens sont plutôt cachés derrière. Ouais, parce que j'ai fait la statistique, je me rends compte que ceux qui montrent la face, c'est 0,2%. Ceux qui combattent sans connaître pourquoi ils combattent, c'est 20%. Et ceux qui sont cachés derrière, qui ne veulent pas se montrer, mais ils sont en train de dire, allez-y, allez-y. Donc depuis la nuit des temps, ça continue comme ça. J'ai envie de comprendre un peu pourquoi. Mais on pourrait comprendre ensemble. Donc je vais mettre le numéro de téléphone. Je regarde d'abord. Pour ceux qui ont mon numéro personnel, vous pouvez appeler sur mon numéro personnel. Mais au milieu de ça, je mets d'abord le numéro. Vous me laissez parler 10 à 15 minutes. Je vous laisse le numéro, vous parlez. Je vous explique d'abord. Comme ça, chacun avant de parler comprend bien pourquoi. Voilà. Il faut qu'on arrête avec l'histoire de oui, allez-y. Mais si c'est allez-y, allez-y, 90% d'entre vous n'est pas prêt. Et pourquoi dire qu'on est prêt alors qu'on n'est pas prêt? Voilà, je vous mets le numéro. Hein. Vous attendez, quand je mets le numéro, vous attendez jusqu'à ce qu'il dit, allez, vous pouvez appeler avant que vous appelez. Voilà, je mets le numéro 1. Voilà, j'ai épinglé le numéro. Pour ceux qui sont en Belgique, vous pouvez appeler normalement. Pour ceux qui sont loin, vous allez mettre le signe avant de l'indication du pays avant d'appeler. Voilà, petite musique, hein. Je vais pas trop vous compliquer. Je cherche pas à mettre ce qui doit être compliqué. This one is for my army. I'll check a sing for you. Sing, sing, sing. Hey, no be lie, I don't pay my dues. Enemies wanna put me for news. Oh shit. But energy stay far away, away. But energy stay far away. Work hard and put God first, not the motto. Yeah. Bolo and put God for before, not the motto. Yeah. But energy stay far away, away. But energy stay far away. Talk celery back to war. Celery back to war. But not so the world, not so the world. Yeah. Friends, them wrong with you. Oh, oh. That's all the words that hate on you. Oh, that's all the they carry your matter to Kutaba. Yeah, that's all the worry. No one use your case to soak cover. No, that's all the worry. That's all the worry. Money's to earn a paper, shan't give them fray. Give me worry, no worry.
Mon histoire ne peut pas changer, mon frère. Oh, oh. Tembe wari na wari. Benyo iti na musika. Ay. Let me say this. If only fiti matter. We don't ban no konjaji. Keep on building your personal gata. Swag on freedom, a type of prison. I share responsibility. Simply victim for no reason. Them talk free with zero probability. I fall down 9 times, pull up 10 times. Like it's no fucking shit. Give and take what the people fake. Come here telling me blah blah. Now so this wicked you all the day. So I can only trust my baba. But energy run too far away. I carry a more of my father. Ayo leke a leke with a son. Kubashi ben bashi lo sora. So when the world calls me an impediment, I just put my head down to hear who is not a peace. The friends them wrong with you. That hate on you. Yeah, yeah, sorry what it is. Me carry your matter to Kutaba. Yeah, no sorry what it is. No one use your case to soak up. No sorry what it is. No sorry what it is. Mon histoire ne peut pas changer, mon frère. Dem ni wari na wari. Mon histoire ne peut pas changer, mon frère. Oh, oh. Dem ni wari na wari. Oh, oh. Explosives. Welcome to the Jumbo, la famille. Le noir perd, le rouge gagne. Je suis venu ici aujourd'hui vous laisser l'antenne pour que vous puissiez parler vous-même. Peut-être ma tête et ma voix vous énervent autant. La dernière fois que j'ai fait le direct ici, j'ai été contacté par deux personnes. Et ces deux personnes-là, une des personnes vit au Cameroun. J'ai causé avec un ami, il me dit, non, la personne est en train de piéger. J'ai dit, on piège un piège. Tu as déjà vu depuis quand un piège est piégé lui-même. C'est-à-dire que tu n'as rien compris. Mais à la fin, en causant avec cette personne-là, mon instinct me dit que cette personne est sérieuse. Finalement, j'ai fini par lui dire, calme-toi un peu. Calme-toi. Je vois que tu es prêt. Tu as des hommes derrière toi. Tu as des personnes qui te supportent. Mais quand on calcule en termes de pourcentage, c'est trop bas. C'est trop bas. Moi, je dis, si 80% des Camerounais vont rester derrière et dit, Paul Biya must go. On dit en français, la chèvre goûte là d'où il est attaché. Pas là d'où il est attaché. La chèvre goûte là d'où il est attaché. C'est pour moi de chop pour appeler où on taille alors. Mais depuis que je suis petit, je n'ai jamais vu une chèvre qu'on attache à quelque part qui mange et que la chèvre s'est levée seule pour fuir la place. Il faudrait que quelqu'un parle détaché là-bas. Donc, pour bien manger, il faudra appeler France dans Taï. C'est d'un Djanga pour Isamon Djanga ou comme Chop pour la same place. Mais les Camerounais sont derrière vous dire, Paul Biya must go. Il va partir comment? Une chèvre qu'on a attachée à quelque part. Peuple Camerounais, pour moi, ça ne sert plus à rien de trop crier. Ça ne sert à rien de trop crier. La réalité est en face de nous. Dans un live, vous êtes 3000, 4000. 5000 personnes dans un live. J'ai vu l'autre jour un combattant a demandé une vidéo pour soutenir le professeur Maurice Kamto. Je n'ai pas vu 30 vidéos, hein, même pas 15. À partir de là, j'ai compris qu'il y a un problème d'assumer. Pourquoi le peuple camerounais n'arrive pas à s'assumer? Parce qu'on ne peut pas chasser quelqu'un étant caché. Vous avez vu un chien qui arrive en brousse, il veut chasser le rat, il est caché. Mais s'il est caché, ça veut dire qu'il ne chasse pas le rat. Si vous êtes caché, ça veut dire que vous ne chassez pas Monsieur Biya. Comment des personnes qui sont cachées peuvent dire qu'ils chassent quelqu'un? Vous le chassez comment? Il est là d'où la France l'a attaché. La France lui-même, en journée, ne peut plus détacher la chèvre. Depuis qu'on va crier au voleur. C'est à vous, peuple camerounais, d'aller détacher la chèvre là où il l'a attaché depuis 82. Non, vous êtes en cachette derrière pour dire, allez-y, combattant. Oui, combattant, vas-y. Oui, combattant.
combien de combattants? 0,1%. Les têtes que vous voyez en face là, vous voyez combien de têtes comme ça? Depuis plus d'un an ici, je dis qu'on brûle. Depuis plus d'un an. Un an après, les autres ont commencé à sortir du songo avec les songos sur leur tête. Nous, enlevez les songos sur vos têtes, vous allez ressembler des personnes. Et à partir de là, vous allez comprendre pourquoi la lutte est si difficile. Quelqu'un a dit le jour qu'on le libère pour qu'il sorte du combat. Non, je ne savais plus que vous étiez dans le combat. Je pensais que vous étiez sorti. On n'a pas besoin de vous libérer pour que vous sortiez du combat. On ne vous avait pas attaché pour que vous entrez dans le combat. Donc vous pouvez sortir comme vous étiez entré. Par la même porte. Ne cherchez pas des excuses. 0,1% des Camerounais veulent le changement au Cameroun. 20% veulent changer sans connaître pourquoi ils changent. Et 62% sont cachés derrière. Et le reste, les 17% sont ceux qui mangent. 62%. Vous ne voyez pas que vous êtes trop nombreux. Vous ne voyez pas que vous êtes trop nombreux. Oui, Kamto. Oui, Kamto. J'ai regardé sur la toile pour voir combien de personnes étaient derrière Kamto. Donc ça veut dire que le MS est en réalité là. N'ont même pas 1000 membres. Moi je le dis, hein. Ça veut dire que le MS en réalité n'a pas 1000 membres. Parce que si le MS avait 1000 membres, avec tous les problèmes qui se passent là, je devais voir autant de soutien. Oui, si on dit qu'il y a un soutien qu'il faut écrire, chacun derrière son clavier, tout le monde est devenu des souris. Personne ne veut montrer la face. Regardez dans vos maisons, quand je parle des souris, vous ne comprenez pas. Quand vous éteignez la lumière, vous voyez comment la souris se balade dans la maison comme si perd le loyer avec vous, non? La souris se balade dans la maison comme si vous payez le loyer ensemble. C'est comme ça que vous vous comportez. Peuple camerounais. Je ne sais, je vous avais dit depuis, je ne sais pas si vous êtes un peuple. Je ne sais pas. Parce que vous avez tellement donné de noms que je ne connais plus quel nom vous donner. La chèvre est attachée depuis 82 à Yaoundé. Il pleut sur la chèvre. La chèvre mange là-bas. N'oubliez pas, la chèvre est le seul animal que même quand le comment on appelle anyway, le serpent ne le mord pas facilement. Hein. Vous voyez, le serpent mord le porc facilement. Le porc meurt vite. Mord le chien meurt en question de secondes. Mais la chèvre, papa le serpent le mord en pensant qu'il a laissé le venin, c'est sur les poils. Parce que même son tendon est dur. Peuple camerounais, je ne connais pas comment on peut chasser un rat étant caché. Je n'ai jamais compris. Ça, je n'arrive pas à comprendre. Et j'ai décidé aujourd'hui que je vais vous laisser le numéro pour que vous m'expliquiez comment une chèvre qui est attachée à quelque part, comment on peut faire pour le chasser là-bas si tout le monde est caché derrière les écrans. Tout le monde est caché derrière les écrans. Parce qu'aujourd'hui, le véritable problème qu'on a, c'est que les gens ne s'assument pas. Vous allez voir dans une manifestation facile, hein. Dans une manifestation facile, on va arriver à la manifestation, il y aura 2000 Camerounais, il y aura 3000 Camerounais. 40% des Camerounais sont placés à l'angle comme s'ils regardaient la manifestation. Donc pendant que tu les contrôles comme si c'était le service secret, alors qu'en réalité il n'est pas service secret, il est venu à la manifestation. Mais il est à côté comme s'il n'était pas parmi. Dites-moi comment le frère de ces Camerounais là au Cameroun peut sortir et marcher contre M. Biya. Expliquez-moi un Camerounais qui est là où il y a le droit de l'homme, que rien ne l'inquiète. Dites-moi comment il est caché en diaspora. Comment il peut dire à son frère qu'il y a une manifestation demain? Vous avez vu? Nous on est nés pour mourir, il n'est pas né pour mourir. Que le Dieu de nos ancêtres continue à vous bénir et vous cacher derrière. Et que chacun ne s'éteigne dans son sommeil. Je n'ai jamais compris comment un peuple peut souffrir. Et personne ne veut s'assumer. Moi je comprends ceux qui sont au Cameroun. Si je n'étais pas allé en aventure, je ne serais pas en train de râler ici derrière un écran. Si je n'étais pas allé en aventure, je ne serais pas en train de dire que Paul Biya va quitter le pouvoir. Je vais penser que Paul Biya, ce qu'il fait est bien. J'ai causé un truc avec un ami. Je l'expliquais pendant les élections. Pendant les élections de 2018, je causais avec mes parents. Je leur ai dit, vous voyez la personne que vous allez aller voter. Je les ai donné les instructions. J'ai expliqué comment il fallait faire. Vous savez ce qu'une tante m'a répondu. Elle m'a dit que, quoi, oui, Wokamto. Et que si une banane, il a compris. Et que si une chine son wango, il a compris. Est-ce que vous comprenez ce que veut dire? Alors je vais traduire en français, qui est la langue de Molière, pour que vous puissiez comprendre. Elle m'a demandé à moi que ce Kamto-là est venu là-bas, il a bavardé, il est parti. Kamto les a donné quoi? Vous avez compris? Ça veut dire qu'ils sont encore en arrière. Celui qui va venir les donner quelque chose, même si c'est pour une seule journée, ils vont aller les voter. Le mal est profond.
Et si on dit qu'on doit brûler pour contrôler notre propre territoire, vous vous cachez derrière. Vous pensez que c'est la pauvre maman du village là qui va comprendre que monsieur Bien ne faisait rien pour eux? Vous pensez que c'est le petit boulot du village, loin au fin fond du village, qui n'a même pas la route chez eux, qui va connaître que monsieur Bien ne faisait rien pour eux? Je suis né où on vit avec rien. Je suis allé en aventure, j'ai compris que on pouvait aussi vivre comme les autres. Voilà pourquoi je viens crier ici. Mais si 0,2% des personnes crient comme moi et que les autres sont cachés, je n'ai pas dit que tout le monde doit s'afficher. Mais j'ai dit que les gens doivent s'assumer. Si dans vos cœurs, vous n'êtes pas prêt à vous assumer, ça ne sert à rien de râler. Parce que le problème, c'est que le petit Ndjanga de Paul Biya, il dit le petit-fils, il ne parle pas de son fils, demain va devenir président de ce pays-là. Et vous ne pourrez rien faire. Alors, j'ai été le premier ici à venir vous parler de la lutte décentralisée. Il est trait de mon état. Vous pensez que je suis venu vous dire ça parce que je suis con? Donc je suis tellement idiot de prendre mon temps venir vous expliquer ce qu'est une lutte décentralisée. Donc quand on parle de brûler, les personnes qui ont peur, c'est parce qu'ils ont des biens au Cameroun. Mais les biens, vos biens sont minables. Si vous avez freiné la lutte par rapport à vos biens sont minables. Vous avez compris? Alors pour moi, ça ne sert à rien de lutter avec des personnes qui ne comprennent rien dans le sens de pourquoi on lutte. Puisque jusqu'à maintenant, vous n'avez encore rien compris de pourquoi on lutte. Tant que vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi on lutte, la lutte ne pourrait jamais avancer. Peuple camerounais, je vous ai dit, le titre du direct, c'est que il faut qu'on s'assume. Personne n'est prêt à s'assumer. Et si 0,2% des personnes s'assument, alors c'est la mort directe. C'est la mort directe. Pour écrire RIP, ce n'est pas compliqué. Pour écrire RIP, ce n'est pas compliqué. C'est la chose la plus facile. RIP. Paix à son âme. Que son âme se repose en paix. Mais ceux pour contre qui on se bat, ils sont plus dangereux que ce que vous pensez. C'est pour ça que je les ai appelés le cartel. Mais je sais que ce n'est pas entré dans vos têtes. Parce que chacun est derrière. Arrêtez les petits guéguerres de dire non, chacun, c'est mon groupe, c'est mon ceci. Il n'y a pas une affaire de groupe. Il n'y a pas une affaire de groupe. C'est parce que vous ne voulez pas vous assumer. Et si les gens se cachent derrière quelqu'un d'autre, laissez ceux qui se cachent derrière. On dit que celui qui fuit la pluie, quand il arrive devant chez vous, il ne veut jamais que le commentaire finisse. À chaque fois, il doit entamer un autre commentaire. De plus que le commentaire continue, la pluie continue, tu ne peux pas le dire, sors de la maison. Tu ne peux pas le dire, tu ne peux pas le dire, Kouyendangolé. On a attaché la chèvre depuis 82. Les personnes sont derrière avec les longs commentaires qui ne vont jamais rien construire. Les gens ont fait 20 ans dans le pouvoir. Dans le combat, ils n'étaient pas capables de s'assumer. Mais il y avait beaucoup qui étaient derrière. Aujourd'hui, vous êtes venus avec les longs crayons. Pour qu'un jour, on nous dise encore que non, mais quand même la diaspora s'est levée, vous ne vous êtes jamais levé. Chacun lutte en cherchant une position sur laquelle il peut se coucher. Tout le monde a compris cela. Pour construire une maison, il faut que tu sois au laboratoire toi-même pour faire, pour voir comment ça monte. Mais je vois que personne d'entre vous est prêt à s'assumer. Donc, je ne voudrais plus continuer à crier trop fort parce que ce n'est pas ça qui va changer. Il n'y a pas 2000 solutions. On commence par s'assumer. On se met un sacrifice. Je vous avais dit quelque chose. Si je me lève ici, pour ceux qui me connaissent, vous allez voir que j'ai fondu beaucoup. Avant, je consommais beaucoup d'alcool. Mais c'est un sacrifice de dire, si je vais là-bas, on peut m'empoisonner. Si je vais à tête parce que je peux. Non, il faut que je sois conscient de mes propres actes. Parce que je lutte contre le cartel. J'ai tout arrêté. Est-ce que vous êtes aussi prêts de dire, je vais tout arrêter et je vais lutter pour mon pays? Ça ne sert à rien de dire, oui, on a dit que Frambia, il serait président. Je vous le dis déjà. Le cartel va confisquer le pouvoir entre eux. Dans un pays, 45 généraux, aucun des généraux ne va en retraite. Il part en retraite, il contrôle toujours encore l'armée. Tu as ton frère qui veut entrer dans l'armée, tu passes par lui, il devient encore militaire. Ça veut dire qu'il n'a jamais été en retraite. Dans un pays, avec 72 ministres, maintenant il veut réduire à 59. Les autres disent que comment ça? Vous ne comprenez pas toujours. Vous ne comprenez pas toujours que si chacun contrôle sa région, ces gens-là vont parler avec nous. Si vous n'êtes pas prêt à brûler partout. Si vous n'êtes pas prêt à brûler partout, mais personne ne parle plus de la crise anglophone. Là d'où il y a la flamme, personne ne veut passer par là-bas parce que ça peut ressembler le cercueil. Vous n'avez jamais compris cela? Est-ce que vous n'avez jamais compris? Vous demandez aux Européens de venir nous aider, qui nous ont d'abord tués avant.
Le chien ne change jamais la manière de s'asseoir. Est-ce que vous pensez que la France peut changer sa position? Oui, oui, ça serait un chien sans queue. On pourrait le pousser à se retrancher dans lui-même. On peut le pousser à se retrancher dans lui-même. Les nègres de maison, quand on va commencer chez nous, qui vont s'attaquer, tous seront décapités. Mais est-ce que vous êtes capable? Est-ce que vous êtes capable de le faire? Est-ce que vous êtes capable de vous assumer? Non, vous n'êtes pas capable de vous assumer. Vous n'êtes pas capable. Tout ce que vous avez fait, c'est de crier. Dire des choses pour troubler, écrire des postes bidons. En longueur de journée. Quand on dit oui, femme, désolé, présent, oui, femme. Vous criez, vous faites quoi pour l'empêcher? On dit toujours, la gazelle a beau crier, mais le lion a faim. Qu'est-ce qu'on fait? La gazelle court, il tente de s'échapper, mais le lion a faim. Le lion n'est pas un herbivore, hein? C'est un carnivore. Ça veut dire qu'il va se nourrir du sang de ces gazelles-là. Vous pensez que Franck Biédéré ne parle pas? Avant, vous avez vu le fils de Yudit Bibi parler. Vous avez vu le fils de Yadema parler. Vous avez vu Mbongo parler. Non, lui ne parle pas. Il est derrière comme une souris laboratoire. Il attend l'heure pour frapper. Vous avez compris? Il sort son venin derrière comme le reptile. Il a tout coupé les bois. Vous êtes conscients. Vous êtes devenus les journalistes. Franck Biédéré a d'abord fait ça. Il a fait quoi? Il n'a rien fait. Qu'est-ce que vous faites pour l'empêcher? Parce que quand il va venir là-bas, c'est pas vous qui l'avez donné le pouvoir. Il va rendre compte au Quai d'Orsay. Et le Nozo est en flamme depuis pratiquement 5 ans. Mais on pouvait éteindre les flammes du Nozo. Quand on n'arrive pas à éteindre les flammes du Nozo, on élargit le feu. Vous avez compris? On élargit le feu. Il y aura manque de bois et le feu va finir par s'éteindre. Hein? Vous avez peur de la mort des Camerounais? On est 30 millions, 30 millions de mendiants. On est 24 millions, arrêtez, on sait à quoi? À rien, on ne sait à rien. Il faut que vous vous mettez dans vos têtes qu'on ne sait à rien en réalité. Le véritable problème aujourd'hui, c'est que si la diaspora pourrait être concentrée et dit on va faire ceci et qu'on s'assume. Ceux qui disent, Kamto a dit va, Kamto a dit ceci, vous n'arrivez pas à appeler le professeur Maurice Kamto, c'est ceux qui n'ont rien compris. Vous avez compris? C'est ceux qui n'ont rien compris. Et le professeur Maurice Kamto, en tant qu'un homme intègre, il ne pourrait jamais se mêler dans ces guéguerres-là. Parce qu'il connaît ceux qui comprennent et ceux qui ne comprennent pas. On dit, quand le fou est pour toi, tu fais comment? Tu jettes les enfants qui sont fous. Tu prends tout le monde. Tu encadres tout le monde. Acceptons que ceux-là sont fous. Qui font ce qu'ils veulent. Ou on accepte nous-mêmes qu'on est fous. Qu'on les contredit parce qu'on est fous. Est-ce que vous avez la capacité d'accepter que vous êtes d'abord fous? Parce que c'est ça le véritable problème. Vous ne pouvez pas passer en longueur de journée à dire « Oui, ils ont dit, les tricots bleus ont dit ceci. » Laissez les tricots bleus dire ce qu'ils vont dire. Hein? Donc, plutôt qu'à vous me battre contre Sénéry. Plutôt qu'à Kunzu, je me bats contre Sénépo. Vous allez porter l'habit, 20 minutes après, le fou va enlever l'habit. Vous ne pouvez pas connaître à quel point, quand je regarde tout ce que vous faites, j'ai le regret, putain. J'ai un regret énorme. J'ai dit, je pensais des personnes qui vont se référer à leur passé. Qui vont voir comment leurs ancêtres sont tombés. Ils vont prendre quand même du recul. Non! Chacun d'entre vous attend de son tour pour être fusillé sur un poteau. Chacun d'entre vous. Même celui qui crie beaucoup, crie à un moment, il dit, et je peux crier comme ça, on m'arrête. Hein. Né pour mourir. Considérez-vous d'abord comme des morts pour vous attaquer à un cartel. Si vous ne vous considérez pas comme ça, vous vous en foutez. Hein? J'ai quelqu'un qui m'a dit à moi que quand tu fais tout ce que tu fais là, tu penses à tes enfants. La question que j'ai envie de vous poser, si je meurs aujourd'hui, mes enfants vont arrêter de vivre. Et vous pensez que si mes enfants meurent aujourd'hui, ma vie s'arrête? Est-ce que ma vie s'arrête si les miens sont morts? Voilà comment M. Biya contrôle le pouvoir en pensant que si n'importe quoi arrive, il peut contrôler le pouvoir. Est-ce que vous le pensez aussi comme ça? Vous ne pensez pas comme ça parce que vous êtes des égoïstes. Vous faites semblant de pleurer les autres et en cachette vous êtes en train de rire. Vous vous moquez d'eux. Le peuple anglophone meurt depuis 4 ans. Chaque fois, nous, on va faire comme... Qu'est-ce que vous faites? Vous pensez qu'il y a combien de soldats au Cameroun? Dans toutes les villes camerounaises, si on arrive à s'organiser, que chaque soldat est égorgé chaque 2-3 jours, eux-mêmes vont fuir. Qui veut mourir? Qui est prêt à mourir? Personne n'est prêt à mourir. Le problème, c'est qu'il faut s'assumer. Il faut que chacun d'entre vous s'assume. Oubliez la mort, ça ne fait pas partie de notre histoire. On vient d'où? Hein? Pour le faire, on était quitté d'où pour arriver où? Mais vous êtes dans un... Je vois des personnes... Non! Quand on peut dire ce qu'il peut dire, on s'en fout.
Vous avez compris? On s'en fout. Mais il faut que vous vous assumez. Toute personne qui se colle derrière le professeur Maurice Kamto, c'est parce qu'il a peur de s'assumer. Vous pensez que le professeur Maurice Kamto se colle derrière qui? Hein? On vous parle de lutte décentralisée. Non, ne faisons pas ça. Le professeur Maurice Kamto a pris son chemin de lutte. Et si vous êtes des partisans du MSC, prenez vos cartes. Et je demande pardon à tous ceux qui passent le temps à vouloir contredire ces gens-là. En fait, quand vous êtes en train de contredire ces gens-là, c'est que c'est ces gens-là qui ont raison. Ils n'ont pas tort. C'est vous qui avez tort. La preuve est qu'ils ont pris un couloir. C'est, vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Que ce soit le couloir des fuyards, que ce soit le couloir des résistants, donnez le nom que vous voulez. Mais en réalité, c'est vous le problème. C'est vous le problème. Parce qu'à tout prix, vous voulez les mettre sur les rails. Un train qui a déraillé, vous voulez à tout prix mettre sur les rails. Alors que vous savez bien que ça pèse des tonnes. Ça pèse des tonnes. Le Congo, ça pèse combien de tonnes? Vous ne pouvez pas le décrire. La preuve en est quand on vous accuse de quelque chose, lavez n'importe comment, c'est comme le sida. On va dire, il n'y a que ça sur toi. Tu laves, ça ne sort pas. Mais vous voulez à tout prix mettre des personnes qui ont déraillé sur les rails. Non, vous allez plutôt les encourager, dire, non, c'est bien, continuez dans ce chemin-là. Allons dans un autre chemin. Ils seront les premiers à venir faire pipi sur nos tombes si on prend la lutte décentralisée. Mais non, finalement, vous êtes même chose que eux. C'est juste parce que vous ne voulez pas vous assumer avec eux. Assumez-vous avec eux. Connais-nous juste la paix. Connais-nous juste la paix. Apprenez à vous assumer. Si vous avez envie de vous assumer avec eux, assumez-vous avec eux. Personne ne va vous en vouloir. Vous dites le contraire, vous faites le contraire. Vous dites autre chose, vous faites autre chose. Qui parle de malédiction ne vous est jamais connu. Mais s'il vous connaît, il va comprendre que la malédiction existe vrai. Parce que chaque personne sort, dit, écoute, autre chose, et 20 minutes après, n'est même pas capable d'assumer. Je sais que beaucoup d'entre vous, comme je l'ai dit la dernière fois, préparent déjà les pipis pour faire pipi sur la tombe des autres. Monsieur Biya est toujours attaché où on l'a attaché, depuis 82. Ça veut dire qu'on va le détacher pour aller l'enterrer et attacher une nouvelle chèvre, parce que l'autre chèvre aurait vieilli et mouru sur place. On va maintenant attacher une nouvelle chèvre, et vous allez continuer à crier en diaspora. Si on dit ici qu'il n'y aura plus d'ambassade, je ne vous vois pas capable d'assumer d'aller en prison. Chacun d'entre vous veut voir ses enfants grandir. Ça veut dire que si on est 0,1% qu'on dit, il n'y aura plus d'ambassade dans les pays où on vit. Soit on vit en prison. Vous ne serez pas prêt d'assumer. Celui qui va appeler, appelle. Sinon, je coupe le direct. Parce que ça ne sert à rien de venir crier puisque vous n'êtes pas responsable. Vous n'êtes pas responsable. Vous n'êtes responsable de rien. Vous n'êtes responsable de rien. Vous parlez du nozo en passant. Vous êtes sur internet pour chercher combien de personnes vous avez vues. Combien de personnes vous avez écoutées. Vous faites 5 directs par semaine et on ne retient rien dans ça. Et j'ai quelque chose que je voulais dire. Très important. J'ai dit quelque chose ici l'autre jour. Et j'ai vu des posts de ma chérie. J'ai vu la villageoise du Quat a mis un truc pour dire que je les ai appelés qu'ils partaient danser. Dans la vie, je ne suis pas un menteur. Quand il dit quelque chose, je peux le dire de passage comme ça. Mais il dit exactement ce que je pense. Et ce jour-là, je voulais dire plus. Mais je me suis juste retenu. Aujourd'hui, vous êtes sur la toile en train de crier derrière une autre souris laboratoire. Qu'au lieu d'attendre qu'on éteigne la lumière avant de commencer à manger, il a mangé quand l'obscurité était, la journée était sortie. Vous avez commencé à crier derrière lui. Quand on lançait United Cameroun, je suis venu à United Cameroun. C'est à cause de ce même souris laboratoire que vous avez dit que l'idée était venue de lui. Alors que c'est Dette Coloniale qui avait dit, on augmentons un système pour faire lever les fonds. Pour brûler au Cameroun. Chacun brûle que chez lui, personne ne brûle la maison de quelqu'un d'autre. Chacun brûle que dans son village. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous m'avez écarté l'illettré. Vous avez mis l'illettré à côté. Vous avez organisé de façon que il fallait lever les fonds pour nourrir les prisonniers. Chose que je ne trouve pas ça mal. Mais je trouve encore une fois de plus, vous êtes dans un sommeil très profond. Vous êtes dans un sommeil trop profond. Vous savez, quand j'étais petit, il y a des choses qui me reviennent souvent en tête. Parfois, je ris seul. Parfois, il conduit au volant comme ça. Quelqu'un passe à côté de moi, il me voit rire. Il pense que je parle sur le Bluetooth de la voiture. Non, non, c'est mon enfance qui me fait parfois rire seul. Vous êtes dans un sommeil profond. Quand tu es petit au village, tu pars jouer. Tu rentres, ton lit est toujours à côté du feu. Le grand-père dit, va te laver, tu dis, gang. Tu dis que je ne me lave pas. Tu te couches, tu dors. Tu arrives à la maison à 18h.
Le sommeil te prend déjà parce que tu es tellement fatigué. Et subitement, quand on finit de préparer, dans la nuit, on prépare toujours au village le plus souvent la nuit. On te réveille, on dit que ne dors pas sans manger. Tu te lèves. J'avais mon oncle, il avait toujours cette habitude de le faire sur moi. Donc quand je me réveille, c'est que... il faut qu'on se relâche. On ne va pas se taper dessus. Je vais revenir. Colin Nana, je vois ici que tu as écrit. Je n'ai même pas lu ton commentaire. Mais comme le truc est bloqué, ton nom est revenu. Je vais revenir. Si on va se secouer comme le gombo dans l'assiette, on va se secouer. L'antenne est libre. Voilà. Je me lève sur le lit. Qu'est-ce que mon oncle fait? Il ne rien fait. Il pousse l'eau. Il dit que... Il pousse l'eau, il dit que... Son moment, lave tes mains. Moi, j'ai les yeux comme ça. C'est lui qui a pu mes mains pour qu'il lave les mains. Je lave les mains dans l'eau. La famille, on dit souvent, selon où vous avez grandi, ce que vous avez vécu dans votre enfance, ça permet d'éduquer les autres. Et on se bat toujours comme ça pour les autres. On ne se bat pas pour nous. Parce que, on peut remercier les ancêtres que nous, on peut. Hein? On peut, oui, on peut. On sait comment jongler pour survivre. Mon oncle pousse l'eau. Je lave les mains dans l'eau. Il fait sensation de pousser la sauce. Il repousse encore le même eau. Il me donne le couscous. Je mange le couscous avec le même eau là. Bon, c'est pour revenir pour vous dire que vous êtes dans un sommet profond. Et ce jour-là, j'étais dans un sommet profond et je le faisais comme ça. Je l'ai fait une fois, je l'ai fait deux fois, je l'ai fait trois fois. Voilà, vous êtes en ligne, Mao. Bien le bonjour à vous. Allô? Ouais, allô? Bonjour. Bonjour, Nico. Allô? Ouais, bonjour. Bonjour, c'est Mao. Oui, je t'ai Mao. Vu. Oui, vas-y, tu es en direct. Oui, voilà. Voilà, je viens de t'écouter. Donc, tous les dimanches, je suis très attentif à tous les messages quand tu passes. Voilà, j'aimerais essayer de te poser juste une question. Est-ce que c'est pas possible que tu puisses quand même essayer de contacter les combattants pour mettre toutes tes propositions en place? Pas toutes, parce que ça ne va pas obligatoirement adhérer à tous, mais qu'on puisse au moins se concentrer sur une de tes propositions très pertinentes qui concerne le NOSO. Je ne sais pas, qu'est-ce que toi tu en penses là-dessus? Voilà, si tu poses la question, c'est que tu vas raccrocher, je vais répondre. Quand tu raccroches, je réponds. Ah d'accord, je raccroche. Ok, ça va, Mao. Voilà, parce que j'ai remarqué que tu insistes beaucoup là-dessus, et c'est vrai qu'aujourd'hui on parle plus du NOSO. Bon, que faire alors pour diriger vraiment le combat vers le 237 concernant le NOSO, négro? Donc, j'y raccroche et puis tu essaies de nous répondre là-dessus. Ok. Merci. Merci. Voilà, je vous ai dit qu'aujourd'hui, je répondais à toutes les questions sans tabou. En fait, ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est que il y a un truc qu'on dit à mon patois, tout mes shango shankali. Donc, tu envoies l'enfant à l'eau, tu pars encore à l'eau porter cet enfant-là. Ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est qu'on a envoyé les enfants à l'eau. Et on va finir par aller à l'eau charger ces enfants-là, l'eau sur la tête. Je ne sais pas si vous comprenez. Je sais que beaucoup d'entre vous ont ouvert les robinets dans les maisons, l'eau coule. Chez nous, on envoie les enfants à l'eau, les plus petits. Alors, je voulais répondre ici à la question de Mao. C'est que, pour qu'on puisse contacter tous les combattants, le combat est divisé en trois. Je vais les donner tous les trois points. Il y a 40% des personnes qui combattent sans combattre, sans connaître pourquoi ils combattent. Et il y a 10% qui sont conscients du combat et qui s'assument. Maintenant, il y a les restes de 50% qui veulent combattre, ils sont dans le trouble, donc ils ne s'assument pas. Alors, je suis conscient que si je contacte les 10 personnes, que ceux qui sont déterminés, ils vont s'assumer. Mais vous voyez que sur 100%, on contacte 10 personnes, 90% sont derrière. Vous ne voyez pas que c'est mal pris le combat? C'est très mal pris le combat. C'est très très mal pris le combat. Parce que aujourd'hui, avec le problème qu'on a entre nous de leadership, vous allez voir, c'est un problème de leadership qui fait que chaque chose que j'ai eu à proposer ici, avant que je ne sorte sur la toile, je le proposais déjà depuis. Hein. Alors j'ai eu à proposer ici, les personnes n'ont jamais accepté. Parce que ça veut dire que si on accepte ça, négro est comme un leader. Parce qu'il faut que vous le mettiez ça dans vos têtes. Si on accepte la proposition de négro, non, ça veut dire que dans leur tête, c'est que négro est un leader. Et d'office, il ne faut pas qu'on accepte cette proposition-là. Mais moi, quand je me mets à l'écart, je dis, proposez alors quelque chose. Parce que je vous ai toujours dit, vous le faites maintenant, vous le faites après, on va le faire.
C'est pour ça que je vous ai dit, on envoie l'enfant à l'eau, on part le charger. Ce qu'on est en train de laisser pour après là, on va finir par le faire nous-mêmes. Et pourquoi ne pas le faire maintenant, quand il y a le cafouillage? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre vous disent que Paul Biya est dans un congélateur. Les autres disent que non, il est trop fatigué. L'autre dit non, c'est parce qu'il est malade. Mais on devait connaître le problème. S'il y a la flamme partout, ils vont finir par nous annoncer que non, voilà, le président a dit ceci. Ou soit ils vont faire le coup d'état précipité. Et là, les choses ne seront pas en ordre. Pourquoi vous laissez qu'ils arrivent à s'organiser? Voilà. Donc je pense qu'avec ça, Mao, je réponds à ta question. On ne peut pas parler avec les combattants parce qu'ils sont très réduits. Moi, en moins de 40 minutes, je peux parler avec les 10 personnes que je suis sûr qu'ils sont déterminées. Hein? C'est ça la réalité. Je peux parler avec les 10 personnes qui sont déterminées. Mais comment tu vas parler avec des personnes qui te disent que le professeur Maurice Kamto a dit que... Ça veut dire qu'ils ne sont pas... Ils sont que dans le sens de la voie légale. Et exactement même chose. Comme la voie légale a fait qu'on sera arrivé à United Cameroun. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonsoir, combattant. Oui, bien le bonsoir à vous. Vous êtes en direct. Mm-hmm. Allez-y. Ok, c'est Néné Diakité. Ouais. J'ai fait une suggestion depuis très longtemps. Moi, particulièrement, j'attends cette suggestion, le pied ferme. Parce que vous avez demandé qu'il fallait faire une collecte d'argent individuellement, pas passer par un léchi, quoi que ce soit. C'était très bon, très bien réfléchi. Mais depuis très longtemps, on n'avance pas avec ce projet. On ne recrute pas avec ce projet. Ça, vraiment, avec les 10 combattants que vous êtes sûrs d'eux, organisez-vous et on fait ça de collecte et on fait ce qu'il y a à faire. Parce qu'on ne peut pas toujours regarder les autres. Tout le monde ne peut pas sortir. Il y a des gens qui sont bien en vie, mais ne peuvent pas s'assumer. Qui peuvent faire tout ce qu'il y a à faire, mais ne peuvent pas se mettre devant. Peut-être comme les vidéos commencent à demander que chacun donne son soutien. Tout le monde ne peut pas le faire. Mais avec le système de collecte d'argent que vous avez proposé, passant, chacun appelle et dit que bon, je peux contribuer 10 euros ou 100 euros, je peux prendre deux soldats, deux personnes comme soldats que je vais sponsoriser tout le mois. C'était très bien, s'il vous plaît. Essayez de réfléchir cette stratégie et mettez-les en ligne. Et comme ça, on va avancer avec ça. Moi, j'ai trouvé ça très bien parce que je me dis que c'est le même système que les anglophones font. Parce que selon ce que vous avez expliqué, c'est le même système que les anglophones font. Jamais par une banque ni par un litchi, mais individuellement. À main levée avec un numéro, avec un système de contrôle facile. Franchement, essayez de nous mettre ça. Même si on est 20, on avance avec. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on va avancer sans commencer quelque part. Qu'on commence d'abord pour qu'on avance avec. Parce que pour moi, je suis prêt. Parce que pour moi, même s'il faut couler, tout le monde doit couler. Parce qu'on ne peut pas contourner ça. C'est impossible. C'est impossible. C'est pour ça que je vous suis depuis très longtemps. Parce que moi, je suis radical depuis très, très longtemps. Donc, on ne peut pas avancer. On ne peut rien faire sans passer par ce chemin. On ne doit pas se mentir pour ça. C'était ma contribution. Essayez de réfléchir, de mettre cette stratégie en route pour qu'on essaie d'avancer avec. Ok. Merci beaucoup. Ok. Merci à vous. Bonne journée. Voilà. Je vais répondre à Néné Diakité et aussi à Angola Angola. Angola Angola. Ne viens pas trouver le français ici. Moi, je ne m'y connais pas. C'est quoi la République? Tu penses qu'on part dans la voie légale avec le cartel? Tu t'imagines ça, Angola Angola? Je ne crois plus intelligent que ça. N'écris plus ça, s'il te plaît. La voie légale avec le cartel ne fonctionne pas. La voie légale avec le cartel ne fonctionne pas. Ce qu'on doit faire, nous, en tant que révolutionnaires ou activistes, on doit créer notre système derrière qui n'a rien à y voir avec le MSC. On lutte. Et à la fin, maintenant, les partis politiques vont s'asseoir pour s'arranger. On ne s'est pas mêlé de la politique. Voilà. Je reviens maintenant à répondre à Néné Diakité, qui a parlé un truc. Il a dit que Marc Seigneur Ivoire a demandé l'autre jour de faire la vidéo. J'ai pu regarder. Mais je sais qu'à ce que je sache, c'est que Marc Seigneur Ivoire n'a même pas eu 20 vidéos. Ou même 30. Et si Marc Seigneur Ivoire n'a pas eu 20 ou 30 vidéos, c'est parce que tout le monde sont des fuyards. Alors, ce qu'il a demandé le jour-là, il fallait rien que les gens du MSC. Nous, les activistes, on n'avait pas besoin de nous. Il fallait que les gens du MSC. Vous avez compris? Alors, j'ai envie de répondre pas à pas à quelqu'un. Mao, vas-y. J'ai envie de répondre. Reste un peu en silence. Reste un peu en silence. Je peux si... Écoute un je peu. Je peux rebondir jusqu'à... Oui, vas-y. Oui, je voulais répondre d'abord à Néné Diakité parce que sinon on va se perdre. C'est important que je réponde d'accord, à chaque personne. Bon, je raccroche. Non, vas-y, reste juste en silence. Comme ça, après, je te dis, tu continues. Okay. Voilà, ce qui se passe maintenant pour ce que Néné Diakité vient de dire, elle a dit que les 10 personnes
Les 10 personnes qui sont sûres, on commande d'abord avec les 10 personnes. Si vous voyez un troupeau de chèvres, n'importe comment, il y aura un bouc parmi eux. S'il n'y a pas de bouc, ça veut dire que les chèvres ne pourront jamais être croisées. Je ne sais pas si ce que je vous explique là, vous comprenez bien. Alors, si on a 10 personnes déterminées, il faudrait que quelqu'un vienne prendre le devant. Mais ceux qui semblent prendre le devant sont ceux que peut-être les autres ne vont pas accepter. Je vous ai parlé ici de leadership. Et ça, je le vois, le leadership. Avant, je ne comprenais pas trop c'était quoi le leadership. Moi, j'ai compris à la fin. J'ai compris que moi, je fais le leadership naturel. Je vous le dis ouvertement. Je fais un leadership naturel. Ça veut dire, ce que je le fais naturellement. Vous pouvez me considérer comme vous voulez, mais tout ce que je le fais, c'est naturel. Je ne fais pas avec arrière-pensée derrière. Je ne fais pas en disant, oui, avant de faire telle chose, telle personne va comprendre que je suis en train de faire. Non, je ne le fais pas comme ça. On ne m'a pas éduqué comme ça. Alors maintenant, il y a ceux qui le font, étant conscient que non, je dois faire que comme ça. On passe sur les collègues d'agents, que nous n'avons déjà quitté parler maintenant. Les collègues d'agents ne peuvent pas se faire ouvertement. C'est ce que j'avais déjà annoncé avant, et les personnes ont pris le devant. On m'a dit ici, je vais prononcer le nom, que c'est Maître Timban qui a donné l'idée. Colin Nana, viens dans le direct ici, s'il te plaît. Viens dans le direct. Tu sais que je t'aime beaucoup. Viens, viens, entre dans le direct. Et je voudrais que tu appelles aussi. Je ne peux pas prendre deux personnes au même moment. On m'a dit que c'est Maître Timban qui avait donné le direct, qui avait donné l'idée de comment on pouvait faire pour collecter les fonds. N'oubliez pas ici que je vous ai dit, je suis quelqu'un très sentimental. Quand vous avez fait la première réunion, deuxième réunion, quand vous avez commencé à me bloquer, je suis revenu derrière, vous avez dit quoi? Avant que vous vous divisez, je vous ai dit que j'ai détecté deux personnes qui ne sont pas correctes dans ce que vous êtes en train de faire. Moi, ce n'est pas sentiment. Ce n'est pas parce que ces gens-là ont fait quelque chose. Et je vous ai dit, toi, Colin, on a été donné deux noms. Est-ce qu'avec les deux noms-là aujourd'hui, tu vois que ce que j'avais dit correspond à quelque chose ou pas? Je vous ai dit, le long français, je ne suis pas dedans. Je vous dis exactement ce que vous allez comprendre. Alors, pour les collègues de fonds, vous avez montré que c'est légal. Vous avez montré que les collègues de fonds sont légales. Ça veut dire que Francis est derrière. Francis, regarde. Il ne faut pas que vous versez les oignons alors que les tomates ne sont pas encore découpées. Il vous contrôle à la loupe. Alors que ce que Dette Colonial avait dit était quelque chose que l'argent devait couler à flot. L'argent devait couler à flot. Vous avez refusé. Parce que je n'ai pas moi. Le long crayon dit que les mêmes choses produisent les mêmes effets. Ce qui a fait le cacao va faire le café. Donc je pense qu'avec ça, Néné Jacquetta a pu comprendre que pourquoi on n'a pas pu faire ce qu'on parlait depuis. Parce que je me retrouve comme le mouton de Tabaski. Donc dans la chèvre que Pomba va décapiter pour pouvoir conduire son pouvoir. Puisque cette personne n'est prêt à laisser. Mao, continue. Tu es en ligne. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était une question de deux en un. Tu as géré à cette charmante dame qui s'appelle Néné Jacquetta, je crois. Non, tu as répondu à ma question. Donc je n'ai plus rien à dire. Okay. C'est bon, tu as répondu à ma question, merci. Ok, pas de souci. Tu es libre de revenir si tu veux, tantôt. Bon courage, merci. Ouais. J'espère que vous avez compris le point sur lequel je suis invité sur un plateau tout à l'heure. Je veux parler sans tabou. Je ne veux pas parler quelque chose que les enfants un jour vont voir mon direct va dire, tu vois, tu avais menti. Ici, si tu nous avais dit comme ça, on devait comprendre mieux. Ce que je vous parle, c'est terre à terre. Il n'y a pas de complications, pas de langue de bois. Vous avez compris? Ce que je vous dis, c'est naturel. Je veux que si je m'éteins un jour dans mon sommeil, je suis conscient que je vous avais dit la vérité. Rien de ce qu'on peut faire jusqu'à être libéré au Cameroun sans passer par le feu. Oubliez cela. Oubliez. Si on commence à brûler, on va appeler Pomba, on va le dire, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi il commence à brûler partout? Parle-le un peu. À ce moment-là, il va parler. Il avait dit que les anglophones étaient des moutons. N'étaient rien. Voilà pourquoi il ne peut que les faire la guerre. Et vous pensez qu'il peut faire la guerre à tout le reste du Cameroun? Il y a beaucoup là qui attendent que notre opportunité pour brûler aussi. Mais il y a beaucoup d'entre vous aussi qui ont peur, qui sont encore en cachette. Allô? Voilà, alors vous êtes en direct, madame, bonsoir. Hey, bonsoir, Dette Colonial. Ouais. Comment non, mon enfant? Non, ça va bien. En fait, tu sais que j'ai grandi dans les mêmes conditions que toi. Mais je suis ta maman. Merci. Mais on ne voit plus des enfants comme toi, des enfants déterminés et des enfants réfléchis comme toi. Tous ont envie d'arriver sans transférer. Je voulais participer à ton direct. Je voulais donner ma petite contribution.
je ne suis pas une maman de 60 ans, je ne suis pas une maman de 70 ans, mais je suis quand même une maman qui a un enfant qui peut avoir 34 ans, qui peut avoir 33 ans. Donc, je suis une maman, je suis une grand-mère. Nous avons vécu, nous avons passé notre jeunesse chez Bourguia, notre adolescence chez Bourguia. Nous avons fait des enfants mineurs chez Bourguia. Les enfants ont aussi grandi chez Bourguia, dans la misère, et ils ont des enfants aussi. Ce que je demande aux femmes qui ont mon âge, que nous avons quelque chose à faire dans ce combat. Ce combat est même le nôtre. Donc on ne va plus se mettre derrière et pour que les gens viennent nous montrer comment ils savent trop parler français. Parce que moi-même, le français là, je n'ai pas dépassé la troisième. Donc je ramasse aussi comme ça en route. Ce combat, c'est le nôtre. On doit combattre pour nos petits-enfants. Parce que pour nous, on a déjà perdu. Pour nos enfants qui ont 30 ans aujourd'hui, 35 ans aujourd'hui, on a perdu parce qu'ils n'ont pas eu de bourse. C'est nous qui, on a vendu les billets, on a vendu tout, on a cousu les petits-enfants pour les envoyer à l'école. Aujourd'hui, ils rentrent de l'école, ils sont à la maison. Ils n'ont pas de porte de sortie. Ils ne connaissent personne parce que nous, leurs parents, nous ne connaissons personne. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut que nous sortons. Il faut qu'on se mette dans ce combat. J'appelle tous les mamans comme moi de se mettre dans ce combat, de ne plus se mettre à l'arrière-plan de ce combat. Parce qu'en nous mettant à l'arrière-plan de ce combat, on n'encourage pas nos enfants. C'est en se mettant au devant de ce combat que nos enfants vont sortir et nous vont trouver dans ce combat. Peut-être c'est tout ce que j'avais à dire. Ok, merci maman. Merci, c'est gentil. Je t'encourage beaucoup, hein. Tu as beaucoup à faire parce que ce que tu fais là, c'est pas toi qui fais. Quand quelqu'un est bon là, ça sort. Je suis fâchée de Nana Collins, je veux le dire. Je ne peux pas tout expliquer ici. J'avais cru en Nana, mais je n'aime pas les menteurs. Nana, c'est un menteur. Je m'excuse d'être vive comme ça, mais je comprends aussi que nous sommes arrivés au niveau de ce combat, on va se dire toutes les vérités, sans compter des gants. Colin Nana. Bonne journée. Bonjour, Robin. Colin Nana. Allô? Nana. Ouais, coupe le direct derrière. Coupe le direct derrière toi, Norman. Vas-y, on t'écoute. Ouais, allô, tu m'écoutes? Oui, tu es en direct. Vas-y, on t'écoute. Allô? Oui, tu es en direct. Tu es en direct. Je voulais d'abord savoir les raisons pourquoi tu m'as interpellé. Mais calme-toi alors, je reviens avant que tu viennes. Calme-toi, je vais verser, maintenant tu vas ramasser. Là, tu peux revenir, ça va? Hein? Calme-toi alors d'abord, je verse. Comment tu veux trier l'haricot dans le sac? Ton sac, ta... Calme-toi d'abord, écoute d'abord le direct. Quand il verse maintenant, après tu reviens, ça va? D'accord. Tout à l'heure. Tu m'appelles alors. Tout à l'heure, oui. Ok. Voilà, mes chers frères et sœurs, on ne trie pas l'haricot dans le sac. Je vous ai dit que Popol est attaché où on l'avait, qu'on l'avait attaché depuis 82. Donc, il faut que des personnes qui vont aller le détacher là-bas. J'ai vu des personnes dans ce direct ici. Depuis un certain temps, je vois beaucoup de personnes. Ils me disent toujours Pandania. Pandania, c'est pas le nom de mon grand-père. Mais vous avez attribué ça, j'ai accepté. J'ai accepté parce que chaque fois, je vois beaucoup de personnes, même quand ils m'écrivent en inbox, ils ont tous... Je vous ai dit que Pandania était un voisin du village. C'était pas... Et qui n'avait pas... En fait, son histoire, c'est quoi? J'ai pas vécu ça, hein. Mais c'est le grand-père qui a expliqué. Il est parti un jour attacher la chèvre. Il avait une chèvre. Et il est parti pour attacher la chèvre. Je sais pas ce qui s'est passé. La chèvre a fait comme ça. Donc la chèvre a fait les... je sais pas comment je vais vous dire. La chèvre a fait sa tête par derrière et ça l'a percé les yeux. Ce que je vous dis là, c'est réel. Hein? Ça l'a percé les yeux. Et nous, étant petits, on ne pouvait pas le demander. Donc, on écoutait seulement ce que les grands-pères ont dit. Et aujourd'hui, je vois beaucoup de gens expliquer son histoire ici pour vous encourager. Pour que vous soyez des personnes déterminées, que vous ne soyez pas la honte de votre génération. Non. C'est devenu mon nom, mais j'assume, c'est pas grave. Allô? Oui, allô. Ouais, Cédric, tu es en direct. Vas-y. On t'écoute. Oui, moi, je viens là pour participer parce que moi, déjà, je viens d'arriver en Europe. Je viens du Cameroun, précisément là. J'ai mené des combats là-bas.
si après maintenant les levées de fonds et autres vont venir trouver que nous on a mis peut-être une structure un peu en place, il y a la structure qu'on peut la mettre en place, même ces 10 personnes, on monte un comité comme ça et puis on démarre. Je pense que si on démarre et qu'on on a dans la structure qu'on a mis en place, les gens vont comprendre qu'il y a un groupe là qui sont derrière un truc et ils vont venir en soutien pour nous. Donc je reste à l'écoute et puis je continue à suivre le direct pour comprendre les interventions d'autres personnes. Ok, ok mon gars, merci beaucoup. C'est gentil, merci, tantôt. Voilà, celui que vous entendez parler est quitté au Cameroun, ça fait quelques jours pour être ici. Ça veut dire que il ne vivait pas en bain. Ça fait partie de ceux qu'on a arrêté pour chicoter le bas des pieds. Il est quitté du Cameroun, il est venu ici. Il était au Cameroun, il m'appelle. Il vient, il arrive là maintenant, il dit, je suis déjà là. Hein. Il dit que j'ai eu le visa, non. Mais voilà déjà. Mais ce que j'ai laissé là-bas derrière, là, on va arranger. Mais il faut la détermination. Parce qu'ils sont comme ça au moins 5 personnes. Quand ils parlent, ils t'expliquent le terrain. La personne qui l'explique le terrain me dit, mais toi tu fais comment pour connaître, maîtriser tout ce truc-là? Je dis, non, c'est juste penser comment vous vivez. Parce que comprendre la vie d'un Camerounais, c'est pas compliqué. Regardez d'abord votre propre vie. Vous avez grandi comment? Vous avez vécu comment votre enfance? Et à partir de là, vous allez comprendre comment les Camerounais vivent. Si à l'époque, chez vous, avec 500 francs, vous vous nourrissez, vous savez qu'aujourd'hui, les mêmes 500 francs-là, ça n'achète même plus un cube. Et à partir de là, vous pouvez faire des analyses seul et vous organiser un combat propre. Aujourd'hui, les gens ne s'assument pas dans le combat, comme je l'ai dit. Pourquoi? Parce que les gens veulent les autres cabris qui vont mourir avant. Et ça a toujours été comme ça chez le noir. Toujours mesquin, toujours derrière, caché, en attendant que les autres soient d'abord tués. Mais il oublie que quand les autres sont tués, ils sont réduits en nombre. Ça veut dire que c'est facile d'atteindre. Alors quand on est plus nombreux, la force du nombre, la masse. Si on met un gars ici, on dit que le gars est très courageux. Allô? 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 Ouais, Béa, baisse le truc, coupe le truc derrière toi. Tu es en direct. Bonsoir. Ok, bonsoir, le colonial. Bonsoir. Ouais. Oui, j'appelle pour pouvoir donner ma contribution à ce que tu es en train de dire. Ouais. Vous êtes en direct. Donc, parlez, on vous écoute. Oui. Moi, je pense que le spectacle qu'on est en train de vivre ces derniers temps sur la toile, ça n'aide pas beaucoup le combat. Ça n'aide pas le combat dans le sens que on ne peut pas passer le temps à critiquer les méthodes de lutte d'une faction ou d'une autre sans faire des pas d'un sens ou dans un autre. Nous tous, ça fait longtemps qu'on a dit que le Cameroun, il fallait mettre tout à sang et à feu pour libérer le Cameroun. S'il y a des personnes qui jugent que ce n'est pas ça la méthode, on doit les laisser et avancer. Au lieu toujours de vouloir s'acharner sur eux pour dire qu'ils doivent changer leur méthode de lutte. S'ils sont convaincus que ça, c'est leur méthode, soit parce qu'ils ne veulent pas s'assumer, comme tu dis, soit parce qu'ils veulent se cacher derrière Maurice Kamto, ce que les autres devraient faire, c'est de les laisser dans cette pensée et avancer. Et maintenant, il y a une autre chose qu'il faut regarder. Qui est le tribalisme qui est trop ancré dans le combat ces jours-ci? Quand je vois même ceux qui sont pour la formule Soya Soya, qui disent aujourd'hui que parce que c'est les Bandekés qui ont à perdre si on fait le Soya Soya, parce que c'est eux qui ont les immeubles et tout, il faut commencer à brûler par Bafoussam et l'Ouest pour arriver ailleurs, parce que c'est eux qui ont à perdre. Paul Biya et Yaoundé, si nous disons qu'on veut brûler le Cameroun, chose que moi je suis d'accord, parce que même quand tu as toujours parlé de la lutte décentralisée, moi je t'ai toujours dit, la lutte décentralisée c'est ce qui va fonctionner au Cameroun, chacun dans son coin. Et quand on parlait même de ville morte, moi je disais toujours, quand on sort, la maman qu'on rencontre dans la rue, assise derrière ses oranges, on vient sur les oranges là dans le caniveau et on l'arrête, on parle. Que les gens vont marquer même pas. Celui qu'on passe, on trouve sa boutique là, on sort avec lui, on avance. Parce que si on dit une montée là, tout le monde doit assumer. Mais ça, comme tu dis qu'on s'assume, moi je m'assume, moi je suis Bamileke et je m'assume. Mais quand je m'assois, je vois des gens qui disent que parce que c'est les Bamileke qui s'amusent les rues,
Yaoundé. Donc, qu'on arrête de se cacher les uns derrière les autres. Le Cameroun, là, on l'a libéré tous ensemble. Et si on ne descend pas dans la rue, si on ne casse pas, si on ne brûle pas, s'il n'y a pas, scandale, c'est une parole très, très douce, s'il n'y a pas le feu au Cameroun, le, la chèvre ne va pas fuir. Si on ne part pas détacher cette chèvre, comme tu dis, la chèvre là ne va pas, elle ne va pas bouger. Quand l'herbe finit là, la chèvre mange même le sable. Il reste là. Il devient carton vert. Ma mère. Voilà, il devient, il est capable de devenir carnivore. Donc les Camerounais doivent sortir et tout le monde ensemble. Ok. Tu comprends? Voilà ma contribution. Merci. Ok, ma mère. Merci à toi. Bonne soirée à toi. Tantôt. Merci. Ouais. Voilà. J'ai parlé ici qu'on doit s'assumer. Et que les gens auront un peu peur des ancêtres. Quand quelqu'un annonce quelque chose que vous êtes conscient dans votre tête, ne soyez pas mesquin de vouloir le cacher derrière. Manifestez-vous que vous êtes content. Celui qui appelle avec numéro privé, je ne prends pas. Donc vous allez ouvrir votre numéro, vous allez rappeler. Voilà pourquoi je parle d'assumer, ça va? Donc commence d'abord par assumer et tu appelles normalement. Voilà. Ouvre ton téléphone. Tu appelles normalement pour que je te décroche. Ça veut dire que tu as d'abord peur de t'assumer. Même si tu es le service secret, on dort ensemble, ça va? Appelle normalement. S'il n'y a pas le numéro qui sort, je ne décroche pas. Voilà la famille. Je pense que je n'ai pas été trop long aujourd'hui. Tout ce que je vous demande, c'est de s'assumer. Voilà. Vous allez toujours appeler avec les numéros ouverts comme ça. Bien le bonjour à vous. Vous êtes en direct. Oui, bonjour. Ouais, bonjour. Bonjour, Tel Colonial. Oui, bonjour. Est-ce que je peux d'abord te poser une question avant de reposer ma question qui va suivre? Allez-y, je vous écoute. Si tu bagarres avec ton petit frère, comment on va résoudre le problème, s'il te plaît? Réponds-moi d'abord un peu, s'il te plaît. Si je bagarre avec mon petit frère? Oui. Mais on bagarre d'abord pourquoi? Ça peut arriver que tu arrives peut-être à la maison, peut-être tu as le chez toi, ton petit frère chez toi, il manque de respect à ta femme, et tu arrives, tu lui gifles et tout, et que lui aussi te rend, vous bagarrez. Mais comment mon petit frère fait d'abord? Mon petit frère fait d'abord comment pour manquer le respect à ma femme? Son éducation est sortie d'où? Mais ça peut arriver. Non, ça. Tu n'as jamais eu des problèmes avec ton petit frère. On peut avoir des problèmes d'autres choses, mais on n'arrive pas au point de bagarre. Parce qu'on n'est pas des animaux, on est des hommes. Et même si maintenant tu as eu des problèmes seulement comme ça avec ton petit frère, comment vous allez résoudre le problème? Parce qu'à chaque fois tu dis toujours oui, il fallait brûler, il fallait faire ceci, et tu oublies que le nozo est déjà brûlé depuis 5 ans, on ne trouve pas de solution parce que c'est le même peuple qui se bagarre entre eux et ça n'a jamais abouti à quelque chose. Il faut aussi expliquer ça au peuple camerounais qui te suit tous les dimanches. Bon. Que jamais une bagarre d'un même pédant, d'un même frère, d'un même père, même mère, ça aboutit à quelque chose. Maintenant, je peux te répondre. Reste toujours en ligne, ma belle. Je te réponds d'abord pour une première partie. Deux personnes qui se bagarrent. Une personne doit toujours être plus forte que l'autre. Donc, quand la bagarre vous dépasse, vous allez fuir. On est d'accord? Mais comment vous allez fuir? Non, si deux personnes bagarrent, on n'a pas dit que quelqu'un doit taper l'autre. On dit qu'on bagarre. Bagarrer, ça veut dire qu'on se mesure le poids, c'est ça? Si je vous dépasse en bagarre, tout ce que vous pouvez faire pour sauver votre propre vie, c'est de fuir. Alors, si vous ne fuyez pas, c'est parce que mes coups de poing n'est pas assez pesant pour vous. Alors, si la crise dans le nord-ouest, le sud-ouest n'arrive pas à terminer, c'est parce que le pouvoir pense qu'il a les armes et qu'il peut dominer. Il a la loi de son côté. Et le peuple anglophone pense qu'ils sont prêts à se suicider jusqu'à la fin. Maintenant, écoutez-moi un peu. Je parle aussi. Comme ça, vous allez répondre aussi. Voilà. Est-ce que je peux rebondir? Voilà, vas-y, rebondis alors. Rebondis alors. Non, je voulais vous dire tantôt que la crise dans le Nord-Ouest. Écoute-moi, la crise dans le... Oui. Ouais, s'il te plaît, on est en train de débattre, on va trouver une solution après. Donc après, on va s'entendre. Je te pose une question. Dans quel pays que les frais, il y a guerre provoquée, quand un autre pays vient dans un autre pays, là, on peut arrêter la guerre. Mais là, c'est deux peuples, donc c'est grands frères, petits frères qui sont en train de se battre. Et pour se battre, c'est quoi? On se bat contre l'État. Et l'État a tous les moyens.
massacrer. C'est ça qui passe d'abord au nozo. Ce qui est fondamental dans tout ça, c'est qu'il faut un dialogue. Ma chérie. Il faut le dialogue. Ma chérie. Donc, tout ma chérie. Attends. Souffle un peu de m'écouter. Te laisse l'antenne pour que tu parles. T'inquiète pas. Mais la question que j'ai envie de te poser, c'est que c'est qui l'État? Mais l'État, c'est Paul Biya. Oh, tu as vu. C'est l'État Paul Biya. Bon, l'État, bon, c'est bon. L'État qui est là. Bon, tu as arrêté la réponse. L'État, c'est nous. L'État, c'est moi. L'État, c'est toi. Tu as compris? Attends, non. Si l'État, c'est Paul Biya, ça veut dire que le jour où l'État, Paul Biya meurt, l'État est mort. Pour le moment, l'État est encore, l'État encore dirigé par Paul Biya et tous ses ministres. C'est ça le problème, c'est ça que vous ne comprenez pas. Vous ne pouvez pas vous asseoir toutes les dimanches et dire au peuple qu'allez brûler. Donc, ça brûle et on a où est-ce que l'on n'a pas encore trouvé des solutions. Et vous voulez qu'on brûle encore tout le Cameroun? Ma chérie. Vous pouvez expliquer. Dans quel pays on a déjà gagné la guerre contre l'État? Ma chérie. Un peuple contre l'État. Ma chérie. Si tu peux répondre ça à ma question, ça va m'aider. Ma chérie. Oui, s'il te plaît. Je vais te dire quelque chose. On n'a jamais gagné une guérilla. Donc, ce que l'État refuse de dialoguer, c'est parce que ça les arrange de continuer à faire la guerre. Ils sont conscients qu'ils ne peuvent jamais gagner le peuple anglophone. Maintenant, maintenant, souffle un peu de m'écouter, je n'ai pas encore fini. Attends, ma chérie, ma chérie, ma chérie. C'est ça maintenant que nous voulons retirer ça. Ma chérie. Mais vous allez dialoguer quand? Vous dialoguez quand? On vient de commencer. Le Cameroun encore dans nos... Mais est-ce que vous connaissez le traumatisme? Est-ce que vous connaissez même en combien d'années même la France s'est libérée? La Belgique s'est libérée de toutes ces dictatures qui... Oui, même mais... Ici, il y avait la dictature. Arrêtez de vendre le vent au Camerounais. Ma chère amie. La vérité. Ma chère amie. Ma chère amie. Ce n'est pas un vent. C'est le vent de feu. C'est ce que je veux que tu comprennes. Non. Dites la vérité au Camerounais, mais arrêtez ça. Tu vas passer où avec les armes telles coloniales? Je te pose la question. Tu vas passer où avec les armes pour entrer au Cameroun? Le nozo est passé par où avec les armes pour entrer? Alors, gardez un peu l'écoute. J'aime pas couper les gens au téléphone. En plus, vous appelez double partout. Gardez un peu l'écoute. Ce que j'ai à décrocher. J'ai envie de décrocher, répondre d'abord à ma soeur, qu'elle est passée. J'ai pas pour habitude de discuter avec des personnes que l'huile coule même dans les cheveux. Parce que je suis un homme de conviction. La personne qui appelle sur l'autre téléphone, normalement, là, attendez un peu pour que je réponde avant de continuer. Anyway, elle m'a même troublé. Vous savez, la préoccupation des sardinats, c'est que les personnes comme moi ne continuent pas à vous chanter la même chanson. J'ai un tam-tam que j'ai aiguisé. Je vais taper que le même tam-tam jusqu'à un matin, je vais comprendre que le Ndjima a commencé. Préparez-vous. Dans quel sens? Elle dit, le grand frère et le petit frère bagarre. Ça veut dire que si on comprend bien, le grand frère c'est Pomba, le petit frère c'est le Nord-Ouest. Ils sont en train de bagarrer. Elle demande qui va les séparer. Une personne va fuir la bagarre, ma chérie. Quand les coups de poing sont chauds, une personne fuit. Une personne fuit la bagarre. Et c'est là où la bagarre s'arrête. Il n'y a jamais... Donc ça veut dire que vous voulez me dire que vous êtes votre propre médecin. Si on comprend bien. Vous êtes votre propre médecin, ma chérie. La lutte est que si le nozo est en train de brûler, maintenant les francophones commencent à brûler chez eux. Écoutez-moi attentivement. Je n'ai pas fait l'école militaire... Mais je connais c'est quoi la guérilla. On apprend même en esprit. Nos parents nous ont parlé de ça. Tous les matins quand on brûlait le maïs à côté du feu, ils nous expliquaient comment ça fonctionnait. On a appris ça. Et on mélange avec le cartel, on comprend que ça fonctionne mieux. Je vous promets que je connais comment ça fonctionne. Je vous promets. Si je contrôle un petit groupe, la preuve en est que vous voyez comment ça fonctionne. Non, ça va fonctionner mille à l'heure. Le groupe n'aurait jamais de problème tant qu'on m'écoute. Si vous écoutez quelqu'un d'autre, vous tombez direct. Puisque ce que vous vivez là-bas, je suis conscient. Ce que vous êtes en train de vivre, comment vous dormez, comment vous vous réveillez et comment ces gens-là vont faire pour vous chercher. Donc celle qui m'appelle au téléphone pour raconter tout le plantain pilé qu'elle raconte là, elle n'est même pas consciente. C'est juste la peur. Je vous ai dit que la lutte, ce n'est pas la précipitation. Alors je vous ai dit, je m'appelle d'être colonial. Je vais vous taper que le tam-tam ici tous les jours. Un matin, vous allez vous lever, ça a pris.
Et je vais voir comment celle-là. Ma chérie, je vais garder ton numéro de téléphone. Hein? Je vais garder ton numéro de téléphone. Je vais écrire un nom sur ça, que je vais toujours retenir. Comme ça, ce moment-là, quand ça va commencer, vous serez la première personne que je vais appeler au téléphone. Dis, ma chérie, tu as vu le Ndjimassa? On ne fait pas deux pas en avant, un pas en arrière, pour ne pas caler sur place. On danse en bougeant les fesses, même le corps de l'envers en avant. Et c'est comme ça que ça va fonctionner. Le nozo dure depuis 4 ans. L'armée camerounaise passe par Bafoussam ou par l'autre côté pour aller dans le nozo. Sinon, on commence à brûler de l'autre côté. Vous allez passer par où? Le nozo va respirer et vous allez faire la guerre avec nous. Je m'appelle Dead Colonial. Voilà, la personne que j'ai décrochée, vous êtes en direct. Allez-y, bien le bonsoir à vous. Désolé de vous laisser en ligne. Bonsoir mon fils, c'est Maman Elisa. Ah Maman Elisa, comment tu vas? Bien le bonsoir à toi, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, tu ne demandes pas les nouvelles de ta mère. Non, non, j'ai appelé. Si je t'ai appelé. Maman Elisa, ne va pas crier ici. Je t'ai appelé l'autre fois, tu n'as pas décroché. J'ai appelé Maman Elise. Appelle-la, tu la demandes si je l'ai appelé pour te demander parce que tu ne me décrochais pas le téléphone. Vas-y, tu es en direct. Mais, on ne va pas comprendre que la mère. Elisa, on ne va pas comprendre. On ne peut pas comprendre que la mère et le fils se battent ici. Maintenant, on ne discute pas. Je vais t'appeler après, ou bien tu m'appelles après, on discute pour nous. Ok. Bon, je voulais donner ma contribution sur. Toi-même, tu sais, quand tu as commencé les lives et que tu donnais tes opinions pour que ça marche au Cameroun, nous toutes là, moi-même, moi je parle de moi, je ne veux pas parler de tout le monde. Tous ceux et celles qui étaient aussi derrière, ils étaient là-bas, mais je parle de moi. Et je peux aussi ajouter Élise. Parce que Élise, toi-même, tu sais que quand tu parlais l'affaire de l'argent, moi-même, j'avais dit que mon fils ne peut pas faire ce combat seul pour avoir le groupe des gens qui travaillent là-bas. Il faut qu'on contribue. Je parlais même ça dans mes lives, que si tout le monde pouvait contribuer, tu ne peux pas gérer plus de 10 personnes ou 20 personnes tout seul. Pour nous tous, pour le bien du Cameroun. Toi-même, tu sais que nous-mêmes comme ça, là, moi et Elise, on avait contribué parce que ça veut dire qu'on était pour ce que tu disais. Bon, aujourd'hui, si les gens ne sont pas vraiment pour ça, c'est que vraiment, les gens n'ont rien compris. Le Tchad a fait, comme le Tchad a fait, le Sénégal a fait, qu'est-ce que Macky Sall a fait? Macky Sall était revenu à peu près un peu à la vie de la population. Parce qu'il savait que lui-même, il a le tort. Il a fait faute. Alors maintenant, si nous-mêmes, on ne se met pas à faire quelque chose, le pouvoir en place, et c'est que tout ce qu'il fait, personne n'a jamais attendez un tout petit peu. Fait quelque chose de brutal et on a peur de. Bon, si jusqu'à aujourd'hui, on n'avait jamais utilisé la brutalité, c'est parce qu'on a dit que peut-être eux-mêmes, ils peuvent revenir à la raison et arrêter la guerre. On ne veut pas que le sang coule plus qu'il n'en faut, plus qu'il n'avait déjà coulé au nozo. Ce sont nos familles qu'on a rasé les villages, ayant les gens dans les maisons. Alors, moi, quand je coule les larmes, ce ne sont pas les larmes de crocodile. Parce que je suis victime. Je sais les sentiments que nos familles de Nozo, de Kumba, de Garbure, comment, qu'est-ce qu'ils ont senti. C'est le même sentiment que moi, ma mère, les âgés dans mon cœur. Alors, si on arrive à faire quelque chose, ce n'est pas parce que nous sommes des brigands ou des tueurs. Non, on doit répondre pour qu'on arrive au but. Ceux qui disent que si on fait ça, on va vraiment encore, on ne casse jamais, on ne fait jamais le molette sans casser les œufs. Nous, comme ça, moi, je suis pour. J'ai été toujours pour. Parce qu'on nous tue tous les jours. Et l'un d'entre eux n'a jamais été ni touché, ni brutalisé. On nous brutalise, nos enfants sont enfermés. Alors aujourd'hui, moi, j'ai été toujours pour. Même quand on allait monter sur... Mon petit fils du planteur. Moi, j'ai été pour. Oui. Comment voulez-vous alors que nos familles anglophones nous font confiance? Si nous, on n'a jamais contribué, on n'a jamais. Ils nous entendent parler seulement qu'on pleure.
est encore en ligne. Elle est encore en ligne. Elle est encore appelée. Même son cœur aussi fait poum 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 poum. Donc je l'ai mis en ligne depuis. Tout à l'heure, il va la laisser pour qu'elle parle un peu. Son cœur fait poum 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 pour te dire des bêtises qu'elle disait là. Non. Non. Maman Elisa. Non, la fille qui t'a appelée là, qui te dit qu'on ne doit pas faire ce qu'on doit brûler, tout ça. On doit toucher les biens de l'État. Comme elle a dit que l'État, c'est quoi l'IA? L'État, c'est le peuple camerounais. Je vais lui dire ça. Maman Elisa. Maman Elisa, elle a son cœur aussi qui fait poum 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 poum. Elle a ses oranges qu'elle a fait aussi qu'on peut ramasser. En disant quoi au peuple camerounais? Voilà, Maman Elisa. Les choses qu'elle vient parler, c'est en faveur des Camerounais. Donc, Maman Elisa, il n'y a pas de souci. Moi, je vais te rappeler. Après, on va échanger, ça va? Je suis invité. Pour le live, hein. Oui, vas-y, maman Elisa. Moi, je voulais couper le live. Tu sais, je n'aime pas durer. J'ai dit que la chèvre est attachée depuis 82, donc je ne suis plus moi là. Je voulais seulement finir avec la femme là que, avec toi, tant que j'étais toujours pour ceux qui critiquaient, moi j'étais toujours derrière. Parce que j'ai trouvé que c'était des idées. Ce n'est pas parce que je suis criminel ou parce qu'on va dire qu'une maman. Ce n'est pas une maman qui va dire qu'allons faire la guerre. Non, la guerre nous a déjà touché. Ça a touché maman, ça a touché les autres mamans, ça a touché tout le monde. Alors maintenant, on ne va pas toucher quelqu'un. Oui, allez, vous allez en direct. Maman Elisa va couper, vous allez parler. Attendez un peu qu'elle coupe. Elle finit, ça va. Alors maintenant, la fille qui vient parler que l'État, c'est Paul Biya. Je vais lui faire comprendre que l'État n'appartient pas à Paul Biya, appartient au peuple camerounais. Alors aujourd'hui, qu'elle enlève ça de sa tête et qu'elle enlève que si on fait telle chose, ça va faire ceci aux Camerounais. Elle aime nos Camerounais plus que les qui. Nous tous, nous aimons notre peuple, nous aimons notre pays. Alors si nous arrivons déjà à ce point-ci, c'est qu'on ne peut plus vraiment négocier ni collaborer. On a cherché le dialogue. Le pouvoir ne nous donne pas le dialogue. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avancer dans le combat alors? Alors, elle qui fait le boum boum, c'est pour son intérêt de Paul Biya. Moi, je fais pour mon intérêt du peuple camerounais et de ce qui m'a touché et ce qui touche toutes les mamans et tous les papas du Cameroun. Voilà. Ok, maman Elisa. Je te rappelle après le direct, ça va? Je vais apaiser ton cœur. Il ne faut pas que ça fait boum 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 beaucoup. Ça fait s'arrêter. Ok, maman, bisous à toi tout à l'heure. Voilà. Je ne sais pas. Allô? 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 Voilà, je pense que le cœur de quelqu'un de... Voilà, allez-y, vous êtes en direct. Je pensais que ton cœur avait boum boum, ça s'est arrêté. Vous prenez les choses doucement. Bien le bonsoir à toi. Vous m'entendez quand même bien. Oui, oui. Bonjour, bonjour. Ouais. Oui. Oui, j'appelle pour vous donner mon point de vue. Et déjà encourager. Parce qu'il y a les gens qui passent toujours leur temps à sous-estimer ce que les autres font. Donc, du coup, je donne d'abord vraiment la paix sur toi, que tu continues dans ce sens-là. Donc, baisse. Tu en dirais, vas-y, on t'écoute. Hein. Si vous doublez l'appel sur quelqu'un d'autre, il va parler, on ne va pas écouter. S'il vous plaît. Si quelqu'un est déjà en ligne, ne doublez pas l'appel. Ah, putain. On prend combien d'années pour convaincre un Sadina? Voilà quelqu'un qui est en ligne. Le Sadina ne laisse pas. Parce que je vais finir par te considérer comme vraiment la tête de la Sadina. Allô? Maman, t'es à moi. Bien le bonjour à toi. Bonjour. Lève un peu la voix d'Adico, lève un peu en haut. Tu sais toi-même que tu as la voix d'Adico, non, comme tu dis d'habitude. Je suis encore en ligne. Mais vas-y, non, parce que je parle depuis encore, tu ne réponds pas, parle. Non, toi parle. Toi parle. Maman Karine, je te rappelle. Quelqu'un est en ligne, je te rappelle maintenant.
Vas-y, parle. Mais je t'ai dit que... Continue seulement, ne t'arrête pas. Je ne vais pas m'écouter, parle seulement. Bon, je vais envoyer un message pour que la personne comprenne comment ça fonctionne. Allô, maman Karine. Oui. Tiens. Elle n'a pas encore raccroché. Dis-lui que je vais me télécharger là-bas dans son téléphone. Non, elle n'est même pas seule. Hein. Ils sont deux. Ils sont... Dis-lui que je vais me télécharger dans son téléphone. Non, ils sont deux. Une personne qui ne sait déjà pas, qui connaît pas la définition de l'État, on peut rien en faire. Voilà, ils sont deux. Elle n'est même pas seule. Il y a l'autre qui a appelé. J'ai mis que le casque ici. Si vous avez écouté ce qu'elle a lancé directement, ils sont désespérés. Ah, non. Franchement, il n'y a même pas de débat à avoir avec elle. Elle ne connaît pas la définition de l'État. Ça veut dire qu'elle fait partie des personnes qui sont dans le système et qui ont peur aujourd'hui de perdre leurs biens, non, les biens des Camerounais. Parce qu'un bien mis en place grâce à l'argent volé du contribuable, c'est le bien du Cameroun. Donc, il faut bien qu'ils se mettent bien profond dans la tête que nous tous, nous allons perdre. Hein? S'ils ne veulent pas, si les personnes qui sont là-bas au pouvoir ne veulent pas comprendre que nous gagnons à nous asseoir, hein, pour redessiner les nouvelles lignes du Cameroun, nous allons tous perdre. Tout le monde doit sentir ça dans sa peau parce qu'elle parle de la guerre dans le nozo là. Elle parle de la guerre dans le nozo aujourd'hui pour que les Camerounais se calment. C'est pas eux-mêmes qui disaient à un moment qu'il n'y avait pas de guerre dans le nozo, non. Hein? Nous avons mis combien d'années ici à ce que les Sardinats eux-mêmes ose dire qu'il y avait la guerre dans le nozo. Donc, ma soeur, si toi tu as des immeubles quelque part là, dis-moi, c'est les fesses. Hein? Faut seulement serrer les fesses, tu peux lui dire. Donc, les pleurnichements là, nous n'en sommes plus aux pleurnichements. Les Camerounais n'ont même plus de larmes. Les Camerounais n'ont plus de larmes. Ce week-end, j'ai eu ma soeur, ça m'a fait un mal fou. Pourtant, elle m'appelait pour mon anniversaire, du moins pour mon futur anniversaire. Mais j'ai eu un mal terrible. Il y en a qui n'ont plus personne dans leur village. On vous dit qu'il n'y a plus personne là-bas. Donc, quand il va falloir même que ces personnes rentrent chez elles, il n'y aura plus de maison. La nature aura retrouvé ses droits. Et tu viens nous dire aujourd'hui que oh, la guerre, ceci, il faut parler. Et la personne qui a déclenché la guerre, elle était où pour parler avant? C'est le défaut de dialogue qui a fait à ce qu'il y ait une guerre dans le nozo. Est-ce que ce sont les enfants du nozo qui sont sortis avec des armes? Ils ont pris des armes pour se défendre. Donc, vraiment, la mère, hein. Faut pas soit énervé les gens, hein. Voilà. Le hasard peut faire que quand ça va se gâter, là, les gens qui ne doivent pas se retrouver face à face se retrouvent face à face. Donc, au lieu de s'acharner sur le matériel, on s'acharne sur nous-mêmes. Donc, vraiment, là où nous sommes là, hein, dis-toi qu'il y a un certain nombre de Camerounais qui ont le cœur qui bouillonne tellement que des imbéciles comme vous là ne venez pas mettre votre grain de sable dedans. Parce que c'est ça qui nous fait monter en puissance, franchement. De penser qu'il y a encore des petits cons comme ça qui ont le courage d'appeler pour nous donner des leçons de morale. Je laisse les autres parler. Parce que j'ai déjà mes propres directs pour m'énerver. Ok, maman. Bisous à toi tantôt. Nous sommes ensemble. Ok. On dit, maman Elisa a dit tout à l'heure que son cœur fait poum, 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 là. Mais est-ce que les personnes, les sardinats, s'imaginent ce qui nous traverse l'esprit ou dans la tête? Moi, je vous ai toujours dit, moi, quand je parle ici en direct, je ne parle... En fait, si je vous dis qu'un jour, j'ai déjà écrit le direct, hein, je n'ai jamais pu parler. Je viens, je m'assois ici comme ça, je ne me retrouve même plus. Je ne sais pas qui me pousse à parler tout ce que je parle. Mais je suis conscient que j'attends la mort en face. Mais je pose la question de savoir, est-ce que vous allez aussi assumer comme moi? C'est tout ce qui m'intéresse. C'est tout ce qui m'intéresse. Parce qu'on dit toujours dans la vie que est-ce que vous comprenez ce que veut dire? Nous, eux, lui. En fait, finalement, c'est personne. Alors, je prends l'engagement moi-même à dire, on va chercher la mort en face. On va chercher la mort en face. On m'a traité ici de menteur parce que j'avais fait juste une stratégie. Mais aujourd'hui, vous vous rendez compte que tout ça va continuer. Les gens ont pris ce mot-là pour pouvoir s'associer. Jusqu'à les gens me disent, oui, mais tu avais menti. Comme si j'étais venu sur les réseaux sociaux mentir sur quelqu'un. Soyez vous-même responsable. Hein? Celui qui a menti sur vous, vous allez l'appeler pour qu'il raconte pourquoi il avait menti sur vous. J'ai mis une stratégie sur pied. Je n'ai pas mis le nom de quelqu'un dedans. Allez dire à Bebengo en prison, ou le jour qu'il sort,
Qu'arrête d'être colonial, celui qui avait menti sur toi. Ça, je vais assumer. Mais dis non, tu avais menti sur telle personne. Et vous, ça, il y a la bouillie dans vos têtes. Vous m'avez vu ici sur un direct annoncer menti sur le nom de quelqu'un. J'ai mis une stratégie sur pied. Les gens se sont précipités pour régler leur compte. Qu'est-ce que d'être colonial a eu voir là-dedans? Je vois des pères d'enfants venir en manteau raconter des histoires dormir debout à longueur de journée. Apprenez à vous assumer. Assumez-vous. Quand vous voulez parler quelque chose, parlez pour vous-même et défendez-vous. Oui, ma mère, tu es en direct. Vas-y. Oui, d'être colonial, je suis revenue parce que j'avais une autre précision à faire. Si tu regardes le logo. Les francophones, comme tu vois là, les francophones sont tous des trouillards. Quand on va aux manifestations ici dehors, ou au match, tu vas voir les francophones toujours en train d'exhiber les images du nozo, toujours en train d'exhiber les images des enfants et des gens qu'on a décapités. Mais quand tu parles du nozo, même dans les groupes de travail, tu regardes comment les francophones deviennent rigides. Personne ne veut rien faire pour les gens au nozo. On sait seulement se brosser les dents avec le nom nozo. Quand on est content, on dit, ah, on tue les gens dans le nozo, on ne peut plus de sang que ça. Mais qui sache que les gars du nozo, là, si vous voulez déjà finir avec tous les seront déjà entrés. Est-ce que nous ne sommes pas des microbes avec le nozo? Et le nozo est où? À Bouda, à Tcham, dans le sud-ouest et le littoral, ils ne sont pas là-bas. Donc, qui fait que si les enfants là, voulaient entrer dans les zones francophones, ils seront entrés depuis dans les plages des microbes là. Donc, c'est pour faire comprendre aux gens que les enfants n'ont aucune intention de tuer les civils. Ils n'ont aucune intention de faire du mal ni à leur peuple, ni au peuple francophone. Et que les francophones, s'ils veulent faire quelque chose pour le Cameroun là, qu'ils regardent l'exemple qu'il y a à côté de là-bas. Depuis 4 ans, bientôt 5 ans, le gouvernement Biaki pensait qu'il allait anéantir les gars au Nozo en 2 jours. Ils sont encore là-bas. On les tue comme des mousses tous les jours. Tu vois comment ces gars-là sont en train de se performer maintenant. Ils lancent même déjà, ils font même déjà des trucs. Excusez-moi, ils lancent même déjà, vous appelez ça quoi? Des trucs qui ressemblent à des petits missiles là. Donc les francophones, les combattants francophones, arrêtent de brosser les dames avec le nom du Nozo et se donnent à faire. Ils essaient de trop bavarder et font ce que les ressortissants du Nozo font. Bac, cotiser pour aider la résistance, cotiser pour aider tous les combats sur les hommes du terrain. Les gens qui guident cette résistance-là là-bas, ils ne sont pas sur le terrain. On gère ça d'ailleurs. Ils ont des manières de gérer. Ils ne sont pas toujours en train de faire les gros bruits comme nous on fait là. Le gros français, les gros bruits, les gros titres. On est tout ça, on réorganise la résistance comme tu as toujours dit. Filmonteur, on gère la résistance, bac, et tout le monde, filmonteur même forcé, quelqu'un va faire. Et n'est-ce pas, il y a le gros sang au sud-ouest, au nord-ouest. Il y a le gros sang. Si c'est le gros sang, là, quand quelqu'un soit dehors, on ramasse seulement sa tête en route. Nous attendons quoi? Voilà, ma mère, on a compris. Okay, et je vais dire un petit truc de fin pour couper le direct tantôt. On dit dans mon village que trop de choux qui échouent en Greta. Que la tête qui ne comprend pas comprend quand elle tout dit. Non, c'est pas ça. Vous blaguez. La tête qui ne comprend pas comprend qu'au bord du trou. Ça veut dire que tout ce qu'on parle, si vous ne comprenez pas et que vous pensez, ma chérie, sur le direct, souffre d'écouter. Je finis le direct. Là, maintenant, tu vas expliquer ce que tu veux expliquer là à moi seul. Donc, tu es ma Sadina. On va s'entendre. Et voilà. Donc, ce que je voulais dire tantôt, c'est quoi? C'est que... je ne sais pas si j'appelle ça chance ou si j'appelle ça information. Mais je peux vous rassurer que beaucoup de gars du Nozo sont prêts à nous expliquer. J'avais déjà proposé ça depuis, avant qu'on a créé Unité Cameroun, à nous expliquer comment ils font pour faire les collectes. Ils nous ont déjà expliqué, et qu'on ne peut pas expliquer à Mondo Vision, mais on s'explique à chaque leader dans chaque pays. Voilà pourquoi le problème du leadership revient encore. Deuxième chose, comment faire pour que l'argent arrive au pays? Parce que vous allez savoir que les francophones sont, ils attoquent, tout. Donc ils ne peuvent pas garder un secret. Le francophone ne sait pas garder le secret. Alors, on a déjà l'information comment l'argent fait pour entrer au pays. Ça, vous pouvez vous rassurer. Peu importe le montant, ça entre au pays. Ni vu, ni connu.
Et chaque combattant a son agent. Donc, on doit déjà dire que ça c'est déjà un avantage. Et voilà pourquoi ce n'est pas tout le monde qui doit s'afficher sur les réseaux sociaux. Je viens ici, je parle, je ne suis qu'un communicant. Je dis ce qu'il faut faire. Est-ce que je peux encore aller sur le terrain l'implémenter? Non. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Maintenant, ceux qui vont l'implémenter sur le terrain, est-ce que c'est encore moi qui viendrai leur donner le salaire? Non. Il y a des personnes sur place qui sont déjà engagées. Donc, voilà une partie de la lutte dans laquelle les Camerounais devaient s'engager en disant que d'être colonial, I like you. I love you, eh. I like you. Parce que ça, c'est un travail qu'on fait derrière en parlant avec les hommes. Et vous allez vous rendre compte aussi que pour trier des personnes, pour avoir des personnes sérieuses, c'est pas facile. Voilà. Aujourd'hui, je vous ai dit que la chèvre est attachée à Etoudi depuis 82. Lui-même, il a tenté d'enlever la corde sur sa tête. En 84. Le 6 avril. Mais la corde est calée sur les cornes. Et la chèvre est toujours attachée là-bas. Le Dinsé, la chèvre est attachée à Etoudi. Si on n'arrive pas à l'enlever, il va pourrir là-bas. Parce qu'il a accouché les enfants. Les enfants vont encore s'attacher que là-bas, puisqu'il faut manger que là-bas. Et si on reste ici derrière pour crier, la chèvre ne comprend pas les cris. La chèvre ne comprend pas les cris. Donc on doit aller nous-mêmes le détacher là-bas et le ramener en arrière. Peuple camerounais, pour ça, je vous quitte. Je serai tout à l'heure sur un autre plateau. Je veux vraiment question-réponse. Je ne veux plus qu'on vienne, je ne veux plus trop de blablabla. Si quelqu'un a peur, qui me dit exactement ce qu'il faut, je le réponds comme il faut. Même si on va bloquer son Facebook, je n'ai vraiment rien à foutre. Donc, on a bavardé, ça fait longtemps. On continue à bavarder. La fin du bavardage, c'est quand? La fin du bavardage, c'est quand? Mendy Songu, le nom Mufoki. La femme qui faisait trop de Congo, ça avait été l'enfant de la voisine. On va arrêter de bavarder quand? Je vous ai dit quelque chose qui est une stratégie normale. Pour entrer dans Bafoussam, il n'y a pas deux routes. Tout ce qu'on vous dit que on part par Yaoundé comme ça, on part par machin. Si on cadre dans le petit, la petite colline là, personne n'entre plus dans Bafoussam. Hein. Personne. Et quand la lutte commence, toutes les personnes doivent être déterminées. Toute personne qui vient vers vous comme s'il veut vous trahir à la police, soyez les premiers à l'égorger. C'est l'ennemi du peuple. Simple comme bonjour. Si on égorge un, on égorge deux, à la troisième personne, exactement comme la France a fait avec nous à l'époque. À la troisième personne, quand on va dire qu'ici on ne passe plus, vous allez voir que c'est la même personne qui va donner l'information à sa famille. Vous pensez que les familles anglophones respectent trop le ghost town qu'on fait là? Non, c'est parce que les autres sont en Europe et disent à leur famille que pardon, on a dit que c'était le jour, ne sors pas de la maison. Hein. Je ne veux pas vous voir dehors. Hein. Et c'est ce sourire de laboratoire là qui vont nous aider en diaspora, en parlant à leur soeur de ne pas aller vendre les oranges. En oubliant son frère, que la petite hôtel qu'il a construit soit fermée. Avec ça, je vous quitte. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. Et que chacun soit conscient et profite par là pour s'assumer. Que la mort ne vous prend pas par le sommeil. Vous avez compris? Sur le chemin de tout le monde. Mais comme chacun reste dans son côté, dit, je ne veux pas que ça me trouve. Je ne veux pas que ça me trouve. Si je pouvais, avant de mourir, prendre tout ma part d'argent que des économies que j'ai gardées là, je mange tout avant de mourir le lendemain, c'est que je serais très content. Mais comment on ne peut pas le faire? Ça veut dire que, né pour mourir. Un jour, je serai au chemin de départ. Et on va trop se manquer. Mais libérons d'abord les enfants avant. Aujourd'hui, on sait comment faire pour survivre. Mais les enfants ne le savent pas. L'histoire est tellement tronquée que si on le laisse à ceux de derrière, on va les mentir encore plus. Parce que nous, on nous a déjà menti. On nous a déjà menti. La France a égorgé les gens pour mettre de l'ordre. Nous aussi, on va passer par la même méthode pour se libérer. Hein? Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous.